Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de l'agriculteur Soyard pour la chronique des agris. Je sais plus laquelle c'est, mais tout ce que je sais c'est que déjà j'ai des nouveaux tracteurs. C'est déjà ça. Au moins je sais que je les ai. Par contre faut que j'y trouve. Ah merde. Ah voilà mon petit gamin, je savais que je savais toi. La qualité gyro est dégueulasse. Excusez-moi pour ce qu'il a fait, mais bon voilà. Mais le reste, c'est génial. C'est le même que. Il est vraiment génial, j'adore. Donc celui-là, je sais pas trop où il va aller, on va regarder. Je sens que ça a fait bugger le jeu, ça, j'aurais jamais dû le faire. Bah non. Ah non, non, left, hop. Bah non, je comprends pas. Non, bah c'est où alors? Ah non, c'était alt. Ah bah voilà, forcément. Si on commence à se planter de touche dès le début, ça va pas bien aller. Donc, faut. Donc, hop, hop, hop. Nickel. Allez, on a tout enlevé. On remonte, je sais pas trop ce qu'on va prendre. Donc déjà je vais essayer d'ouvrir ça, je sais pas trop où ça s'ouvre, la fenêtre arrière. Je sais même pas si la fenêtre arrière s'ouvre, c'est nickel là. Quand même. Hop, doucement, oh. Donc, aujourd'hui on va faire un peu de tout, enfin voilà, et puis j'ai oublié un truc très important, attention, vous passez l'intro, tout de suite. Et voilà les amis, donc on se retrouve, donc il faut juste que je le pose par là, on s'en occupera après.
Hop, nickel. Ok, nickel, donc là. Ah. Waouh, j'ai rien. Alors celui-là, je sais où il va aller. Direct. J'ai même pas besoin de... Par contre, l'intérieur... Oh non, putain, ça fait chier, ça. Ça fait comme dans mon putain qui était mon Renault qui était tout pourri là, le 461 là, t'as la caméra qui est inversée à l'intérieur. Attendez, on va la remettre droite. Bah oui, bah forcément, bah oui, bah ça déconne, putain. Ah oui, peut-être. Ah putain, non. Parce que sur mon Renault, vous le tournez, ça vous remettez la caméra à l'endroit là, ça fait pas merde. Bon, c'est censé être la V2, donc. Bon, il est déjà pas trop mal. Ah ouais, il y a des petits bugs par contre, des petits gros bugs dans les roues. Ça fait un peu dégueulasse. Bon, bref, on s'en fout. Il va rester de toute façon à la mélangeuse. Donc. Hop. Ah ouais, il a des sacrés bugs. Oh, doucement, mon gars. Oh. Et il y a des... Bon, déjà, le jeu retourne pas pour commencer. Ah si, il tourne, mais il y a une deuxième coque qui tourne pas. Ouais, bref. Il y a un gyro dans l'autre. Ouais. Arrêtez, on n'est pas là pour critiquer les mods. Bref. Donc, on va juste vite. Bah, par contre, la caméra est pas très droite, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la caméra est pas droite. Ça m'énerve. Alors, ok, donc les phares n'éclairent absolument rien. Ah, quand même. Ah mais oui, mais là c'est pas si on peut décharger, merde. Donc ça va y poser là. Qu'est-ce qu'on va faire de ce petit? Est-ce qu'il a pas assez de puissance pour soulever les bottes? Il a absolument rien. Il a point de puissance. Et bon, on va le mettre là. Voilà les pandas, ça il va très bien au petit. Alors ensuite, faut que juste que je revende. Faut que je retrouve ce que faut que je vende. Ah déjà c'est... Je crois que c'était celle-là de Ben. Ouais, ça doit être celle-là. Et la petite vendre. Il me semble que j'en ai qu'un seul. Ouais, faut que je vende. Ensuite. Où c'est que je l'ai vu? Hop! Ouais. Voilà. Le petit épandeur. Parce qu'on a le gros juste à côté. Donc. Oula, le MX il a bugué là. Alors. Je cherche quel véhicule faut que je prenne. Alors déjà, est-ce que j'ai des champs en cours de croissance? Non, c'était pas là, c'était dans ici. En cours de croissance, il y a le 23 000, il est juste à côté de la ferme, il me semble. Ça doit être la ferme. Oui, voilà, c'est la ferme. En cours de croissance, il y a le 35. Donc ça, on va y mener dans le 35, mais on va finir de le remplir. Oula, dis donc, ça bouge plus que le reste. Alors, tu nous dis ça, mon gars. Voilà, elle est vidée, cette fosse. Oh, cette fosse. Hop, ce que. Hop, allez, elle est vide. Ah, merde. Oh, vous savez quoi? Allez, j'ai dit que je la vidais, je la vide.
Allez, c'est parti. Donc là, on va aller. Excusez-moi, au champ 35. Ouf, ouf, ouf. Oula, j'ai mon portable qui déconne. Excusez-moi, 10 secondes. On va pas se taper des droits d'auteur peut-être non plus, hein, alors qu'il n'y a pas besoin. Hop, c'est bon, j'ai arrêté. De manière brute, mais je l'ai arrêté. Ouais, donc là, il a du mal quand même, le cas. C'est pas... Ah oui, j'ai une partie de prête, donc on va peut-être commencer à... Hop, doucement. Oh, il part en sec, là. Oh non, mais un petit peu comme ça de partout, et puis voilà. Donc on va juste couper les gyros. Voilà, HUD-Hider, ça me sert. Donc j'ai pas mis mon volant, hein, j'ai pas le temps, donc. Donc voilà, c'est tout simple la raison pourquoi je l'ai pas mis. Alors, par contre, est-ce que ça vide vite? Ouais, c'est. Oh! Qu'est-ce qui se passe? What? What? Ah mais j'ai mis un ouvrier. Depuis quand on peut mettre des ouvriers pour faire ça? Tu m'expliques là? Là il y a un sacré bug là. Bon, on va mettre un ouvrier hein, si on peut en mettre un, pourquoi pas. Hein. Il fait le sale travail à notre place. Nous pour l'instant on va finir de décharger ce petit char avec le MX 115. Donc hop, on va la remettre droite cette botte. Merde. Nickel. Allez droit, droit mon gars. Allez on y est alors. Hop. Donc il lève pas trop plus haut que ça, donc je vais pas essayer d'en mettre plus. Hop, doucement. Ah, ça c'est déjà bien empilé. C'est juste. De toute façon, les bottes là sont juste pour pailler. D'ailleurs, je pense en avoir fait trop. Va falloir que j'aie déchargé le reste en haut avec le télescopique. Hop, hop. Oula, ça traverse carrément les fourches. Eh ben, alors. Bon alors généralement en tracteur ça va aussi vite qu'en télescopique à décharger, hein, c'est kiff kiff. À quelque chose près c'est ça quoi, c'est hop hop hop. Non non non, tombe pas s'il te plaît. Ouf. Ah bah oui, forcément faut que ça coince. Alors voilà. Il y a encore tout un champ à décharger. Tout... Ah non non non, il me semble que je l'ai terminé hein, ce champ là. Je suis pas sûr. Il me semble, hein. Il me semble bien. Juste. On va aller voir de toute façon si on a la fini. Hein. Le cas il va assez vite. On va pouvoir voir rapidement si on la finit pas. Hop. Oula, il y a des petits coups de lag là, je sais pas trop ce qui se passe. Donc, hop là, remplis vite fait les bottes.
Donc par contre c'est pas du tout droit, ça va être choix posé. Allez vas-y pose-toi, pose-toi, pose-toi. Donc je le redis dans mes vidéos, je commence à faire un peu de pub pour les chaînes à chaque fin de... À chaque fin de vidéo, je fais un peu de pub pour des chaînes. Et donc, bah voilà, laissez-moi un commentaire pour pour montrer que vous êtes présent, voilà déjà. Et puis puis je ferai de la pub pour deux chaînes à chaque fin d'une de mes vidéos. Et puis voilà, comme ça me fait plaisir à moi et à vous. Et puis voilà. Donc, je tiens à préciser, c'est les chaînes, bah, je les choisirai moi parmi les commentaires, ceux qui veulent que je leur fasse de la pub. Donc, redemandez à chaque fois, vous pouvez être pris, hein, et puis voilà. Ah bah oui, forcément. Ah, c'est super simple à décharger avec celui-là, c'est... Bon après, faut avoir la main. Au départ, vous galérez un petit peu, mais ensuite ça va venir tout seul. Moi au départ, je déchargeais que au télescopique. Tracteur, je pouvais pas les blairer, je sais pas pourquoi, enfin. Et depuis en fait, non, ils vont assez bien décharger. Bon avant, je déchargeais avec le 800, mais pour les parties multi, vu que le 800 est pas en lien, ben, je le laisse... Non merde. Bah je le laisse, je le mets pas en lien quoi, je le supprime de la partie à chaque fois que je fais un multi. Donc hop. Donc c'est bon, normalement les bottes on en a fini avec, on aura largement assez. Faudra bien que je pense à mettre broyer la paille sur le champ 36. 36 il me semble, hein, c'est. Ouais, 36. Et il y a des petits coups de lag, ouais. Là on repasse en 20 images secondes et là, ouais, il doit y avoir un petit bug. Donc toi on va trancher. On va aller vite faire voir si en reste plus du tout de bottes. Il me semble pas qu'il en reste. Non, non, voilà, j'ai tout terminé. C'est bien ce que je me disais. Ah, j'aurais dû les mettre là, les bottes. Ah oui, je découvre tout le temps des bâtiments trop tard, moi. Alors, faut juste essayer de garer droit, s'il te plaît, droit, droit, hop. Alors. On va y arriver. Quand même. Nickel, alors on détache. Celui-là, on va le poser par là. Hop, alors. Ça, faut y rentrer.
Oula, ah. À 10 cm près, ça passait. Alors, là, on va le mettre juste à côté, mais celui-là, on va pas le détacher, on va pas se chier avec. Hop. Voilà, une dernière botte à rentrer, et puis ensuite, mon gars, tu vas aller te reposer parce que t'as déjà bien bossé cet été, toi. Et ouais, alors, hop, ça passe pas, putain. C'est comme sur le TS2, je dis, faut surtout pas que je tombe en panne d'essence. Bam, allez, hop, vous êtes en panne d'essence. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance, ma foi. Ça arrive, il y en a qui ont de la chance et des fois on n'a pas de chance. Allez, hop, 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 hop. Oh, tu te calmes, s'il te plaît, nickel. Hop, non, bordel de merde, que je suis obligé de me tromper de machin, moi. Putain, ça l'envers. Bon, et ben, we are in the shit, s'il te plaît, mon gars, allez. Ouh là là, ça va pas bien aller, ça. Ça a encore tout tombé, il y a 9 chances sur 10 pour que ça tombe. Et attendez, ça a tout volé là. Oh, putain de merde. Hop. Putain, ça va y aller. Non, allez, on avait tout chargé, vous me faites chier. Ah bref, on y refera non, correctement. Je sais même pas pourquoi je l'ai posé au-dessus. Je voulais la poser au-dessus comme comme je fais d'habitude, mais là. On peut pas y accrocher, je me dis bien. Bref, allez, hop. Donc c'est celle-là, allez, toi tu vas aller en action. Aïe, 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 tu vas bien passer quand même. Ah bah oui, voilà. Donc j'ai pas encore fait d'ensilage. Faudra bien que je fasse une partie avec, avec un peu d'ensilage. Là, c'est bon, on a passé le truc. Hop. On replie. Ouais, non, on déplie, voilà, et on replie la coupe. Alors lui, je sais pas trop ce qu'il fout là-bas au fond, là, balancer ce qu'il a pas. Hein. Il a plus de merde, mais il continue à en balancer. Attends, il est... Oh, alors celui-là, ouais. Voilà, ensuite, pop, 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 pop. Oui, excusez-moi, il y a eu un tout petit bug. Donc, hop, on va le mettre là.
Allez, on va y aller, on va aller semer vite fait. Enfin, le maître a semé, puis lui il se débrouille ensuite, hein, c'est, il est grand. Hop, 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 il dégomme pas tout. Là, il n'y a rien. Je suis sûr qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ah oui, bon, on va vider un tout petit peu les silos. Ouais. Alors, catégorie. Ben. La Duchesne. De Polo, si je ne me trompe pas. Bon, alors. Putain, il est con, il est con. Il recule. Non, 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 ça sert à rien de faire ça, mon gars. On va le mettre en travers. Alors, j'étais sur lequel? Ça, je m'en sais plus. C'était lequel? Je sais absolument plus sur lequel j'ai. Ah non, oui, j'étais. Je dois aller prendre la Duchesne avec, avec le New Holland. Je vais juste regarder en, au passage pourquoi lui s'arrête. Ok. Ah non, ça change plus rien là. Ah si. Ouais, bah ça change pas grand chose alors. Hein. Donc là, c'est de ce couleur là. Et voyons, on va voir. Ouais, ça change un petit peu ça. Donc, on allait prendre le New Land. Voilà. C'est parti. Hop, on va passer sur la route, on met les petits gyros. Enfin la route. Ça c'est les chemins quand même. Bon, la route est juste en bas. Enfin je me comprends bref. Hop, donc là. C'est pas grave, j'y vais, j'ai le temps. Par contre, c'est chiant quand ça glisse. Ouais, heureusement qu'après la mise à jour, ils ont enlevé quand même 2-3 bugs parce que ça glissait vachement quoi. Et vous tournez. Bah, ça continue un peu de glisser, mais bon. Vous tourniez et puis vous faisiez un putain de machin là. Donc là. On peut rouler sans. Donc, attendez, j'ai juste envie de faire une chose. Alors, ah si, ouais, elle tombe. Ouais, j'ai rien à dire. Alors, left shift plus 1. Ah, on peut choisir, ok. On peut parler trap, attendez. Mais... Alors, c'est parti. Ah, bah, rien à dire, elle est vraiment pas mal. Il y a sûrement autre chose, je pense. Ouais non, ouais, c'est déjà vachement vachement bien, elle est déjà vachement bien cette semaine. Donc hop. Doucement, pas trop. Là, là.
Donc on va faire un peu de bois aussi, tiens. Comme ça on va pouvoir décharger. Ah mais ouais, je suis pas trop sûr, on va pouvoir le décharger. Bah, bref, on va se faire une petite benne de bois. Alors, équipement forestier, la ponce. Allez, hop, c'est bon, tu mets ça. Par contre, je sais pas si ça va se mettre dans la benne, ça je sais pas. Oh, on va bien essayer, puis on verra. On peut faire jusqu'à 8 mètres maintenant. Ok, nickel. Bon, 5 mètres ça suffit. 1 mètre ça suffit largement. Ouais, on a le temps de passer là. Donc elle va pas très très vite hein. Par contre la ponceau elle est vraiment normale quoi, elle est lente quoi. Alors là, s'il te plaît, tu me coupes correctement. Voilà. Ah non! Ouais, je me disais bien aussi. Oh merde, c'est chiant ça. Oh non. Ah non, ça c'est vraiment dommage par contre. Ouais. Bah ouais, c'est dommage. On va pas en foutre plein de machin, voilà, on va finir de la couper là-bas avec le reste. Hop, 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 on viendra y chercher une prochaine fois avec l'autre ponce. Enfin, avec l'autre ponce. On verra avec ce qu'on vient chercher. Ok, nickel. Donc. Ouais. Ok, hop. Ok, hop. Alors là. Bon, bah. Ma foi, bah, on va emmener. Et 3-4 rondins là, et puis voilà quoi. On va voir si le. Si je remplis l'armoire, qu'est-ce que ça fait, si ça les fait tomber ou pas. Allez, allez. Donc, pourquoi je mets qu'une dans la ferme là? Oh, doucement. Ah non, oui, donc il tombe, ouais. Hop, R. Alors, je veux en orange. S'il te plaît. Ok, il fait que 8000 litres. Bon, bah, c'est pas énorme tout ça. Mais bon, c'est une petite benne, hein, c'est une essieu, alors on peut rien dire. Alors, je vais essayer de faire un petit saut là-bas juste pour enlever les bouts de bois, c'est bon. Ah bah voilà, j'ai enlevé la moitié déjà. C'est toujours ça de gagner. Attendez, bougez pas, il y a un saut. Il y a un puits là, je sais pas trop ce que c'est. Bon, ça c'est le poulet, on s'en fout du. Ah donc ça se trompe, on peut aussi les jeter dans le puits là. C'est pas du T7. Donc on se rend à la. Donc j'ai coupé. Hein. Et là on se rend avec la benne du chêne et puis. Je sais pas si ça se lit. C'est du chesne. Excusez-moi, du chesne. Donc avec une lente T6, ça tire pas bien bien. J'essaie d'enlever les 3 rondins. Voilà, j'en ai enlevé un de plus.
Puis voilà, donc on va se poser. Ah oui, je viens de tout pour le mauvais côté. C'est d'abord l'autre côté et là j'arrive à l'envers. Bon bref. On va se mettre comme ça et on arrive en reculant. Ouais, doucement là-haut. Donc 11 344. Donc par la trappe, ça fait comment? Ah ouais, c'est vachement bien fait. Ok, et donc en normal, si je me trompe pas, hop. Donc ouais, c'est du fait de taper contre, voir ce que... Voilà, ça c'est fait. Donc les amis, sur ce, bah, on va se garer et puis on va se quitter. C'est juste une petite chronique comme ça, vite fait. Voilà, bon, j'étais tout seul là. Parce que déjà, bon, si j'y prévois comme ça, bah là c'était pas prévu rien. Puis il y a toujours du bordel quand c'est pas prévu qu'il y a 2-3 modes, il y a toujours un peu de bordel. C'est toujours. Voilà, faut que j'y prévoie la prochaine. Faut que j'y prévoie correctement la prochaine fois. Et puis voilà. Donc, ceux qui veulent avoir un peu de pub pour leur chaîne, et eh bah contactez-moi, enfin, mettez en commentaire. Et puis, bah, moi je m'en occupe. Et puis dans la prochaine vidéo, vous aurez une pub à la fin. Et puis voilà, donc sur ce, les amis, et bah on va se quitter. Et puis voilà, bon, les amis, à plus. Et puis à la prochaine, allez, salut!